Vous n'imaginez pas ce qu'il faut être organisé et motivé pour rester au top de la mauvaise humeur toute une journée. Les rouges, vous chantez par là, les bleus, vous chantez par là. Oui, je suis professeur d'éducation physique. Enfin, éducation, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Tu ne fais pas sport? Ta mère t'a fait un mot. Hier aussi, elle t'avait fait un mot, hein, oui. Hein? La semaine aussi, parce qu'elle t'a fait un mot, hein, oui. Demain, elle saura faire une phrase, tu crois? Bonjour. Bonjour! Ça y est, ça commence. Mon journal, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Et l'autre, bonne journée! Et tu ne vas pas me donner des ordres comme ça à 7h du matin, alors que ça fait 3 quarts d'heure que je me prépare à passer de mauvais, toi! Pire encore, 40 mètres plus loin, j'arrive à la boulangerie. Bonjour. Bonjour, monsieur! Je voudrais bien 2 croissants, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Et l'autre, le pire qu'on puisse me dire, une bonne journée? Je ne sais pas, il est 7h02, j'ai mal dormi, j'ai été pissé 4 fois pendant la bonne nuit, ma voiture tousse, je suis en retard, je dois aller voir des parents, j'ai pas envie de voir, ça s'est vraiment passé dans une bonne journée. Chou, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, ça va pas! Ah ben ça, je vois bien que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois aller aux toilettes. Mais vas-y, ne souris pas, ne souris pas. Mais pourquoi les wifi sont bouchés? Non! Mais quoi? Il n'y a plus de batterie à mon GSM! Ça va tellement loin que quand il y a des gens qui vont aux toilettes et qui se rendent compte qu'ils ont oublié leur GSM, ils ne savent plus pourquoi ils sont là. Qu'est-ce que je fais ici? C'est tout petit.